d'Hervé Villard. Hervé Villard, souvenez-vous, Caprice et Fini, 1965, c'était vraiment du... Raphaël, oui, ouais. Oui, bien sûr, 65, c'est Caprice et Fini, c'est Hervé Villard, ouais. Mais c'est surtout une très très belle année pour Henri Lataouais, ce merveilleux réalisateur des Français du Réveil, qui va nous offrir deux westerns formidables, qui sont Quand siffle la dernière balle, western remarquable avec Gregory Peck, et puis un excellent western qui était un carton, qui était Les Quatre Fils de Cathy Elder avec John Wayne, avec Dean Martin, Earl Lehman, distribué par les artistes associés, il me semble. Ouais. Un très beau film en couleur, enfin, un film comme on les aime, quoi. Voilà. Ça va, c'est bien. Ouais. Voilà. Non, mais moi je suis là pour aider. Ouais, merci Eddy. Ouais. Vous avez compris, notre prochain invité c'est M. Hervé Villard qui va rendre hommage à Maurice Fanon avec la chanson L'écharpe. Prix Charles Cros 63. L'écharpe, Hervé Villard. Merci, Marie. Bonsoir. Ça vous est heureux. Madame Délicieux.